Et bonjour tout le monde, ici Envoie-moi 4 Lennon, qui est devant la banque au stock l'argent des abonnés. Donc c'est l'épisode 7 de The City, comme promis, vous aurez un lien de téléchargement de la map. Donc on a une belle rue où on a une banque, le fisc et le commissariat. Voilà, donc plein de nouveautés sur la map, hein, à nouveau. Encore des nouvelles constructions en cours. Je vais vous gâter. Donc les travaux vont encore continuer et on vous promet toujours plus de nouveautés. Et là je suis avec LT Gigi Giga, anciennement Goldo Gigi. Faut quand même que je précise l'ancien. Hein. Bonjour, bonjour à tous, ici LT Gigi Giga. T'as dit t'étais à ta discothèque. Ouais. Ah t'es là, je te vois. Je te vois, t'es ici, voilà. Donc pas mal de nouveaux travaux, des nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, n'est-ce pas? Et tu voulais nous montrer des choses que tu as fait hein, dans la zone résidentielle, ouais. N'est-ce pas? Ouais, exactement. On va y faire un petit tour. Ouais, si tu veux, parce que je me souviens plus où c'est. Bah suis-moi. C'est pour ça que j'ai fait des axes principaux. Tu vois, sur cet axe, tu vas tout droit déjà. Sur la route où je suis. J'ai bien fait, mais je te vois pas moi. Attends, c'est parce que je suis déjà parti aussi. Je retourne te voir. Alors, tu sors du parking. T'es sorti? Je vais en sortir, Kono. Ouais, parce que c'est vrai, je suis planté. Ouais, t'es là-bas. Bah, je te vois plus. Bah, moi déjà, je te voyais pas. Bah, moi, je te vois pas. Bon, dès que t'es sorti du parking, tu vois la route où t'es. Et alors? Et bah, tu traces tout droit. Jusqu'à arriver à la tour télé. Tu sais que je t'avais montré où, au niveau du bug droïde, je préfère. La tour télé qui est à côté du bug droïde, là. Le truc qui a une sorte de parabole. Ça s'appelle PNJ TV. Dès que tu y es, tu tournes à droite. Et à un moment, tu auras une pancarte qui t'indiquera zone résidence et tu y seras. Voilà. Ou au pire, tu te diriges vers les immeubles futuristes. Voilà. Tu cherches les immeubles futuristes. Tu vas tout droit et à un moment tu les auras en vue. Ce sera là. Je vais en vue parce qu'il faut que je recherche la map. Ah d'accord. Toujours ces petits techniques. Ouais donc c'est énervant mais on est en alpha build et l'alpha build 10 a corrigé des bugs multivoires donc. Ouais. On est encore en alpha build donc ça peut passer. Mais il serait temps qu'il s'en débarrasse parce que. Quoi ça perd bon. Excusez de la forte chute d'image par seconde mais c'était le temps qu'il revienne. Hein. En même temps, j'ai pas une chic tablette, hein, équipée du magnifique Tegra K1. Je vais m'y retrouver, mais je suis pas sûr de m'y retrouver complètement parce que j'ai fait un putain de détour, mais malheureusement, ton bug droïde, je le vois nulle part. Bah, parce que t'es pas parti dans le bon sens. Ouais, bah, oui, exactement dans le bon sens, sachant que je voyais rien. Tu vois quoi? Montre-moi ton écran. Ouais, t'étais parti dans. T'es pas dans le bon sens quand je t'ai dit tout droit. Bah ouais, malheureusement, l'immeuble, je le voyais pas, il était nulle part, je te dis. L'immeuble en question que je cherchais, il était pas là. Parce que je te voyais pas quand je t'avais dit d'aller tout droit. Bah moi non plus, je voyais pas l'immeuble non plus. Donc du coup, t'étais pas dans le bon sens. Et ben, double couille, enfin, je dirais même triple du coup. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est par là. Tu recharges, c'est quoi, tu repasses tout droit. Là, t'es dans le bon. Voilà. Je suis pas parti dans le bon. Pas vrai parce que ça me fait chier. Oh là là. Bon bah en attendant je vais montrer ça. Goldo a fait des maisons écologiques. LT. Enfin, LT hein. Et les trois maisons non écologiques. Enfin. Ouais, les trois maisons bizarres vous voyez juste là. C'est-à-dire les trois maisons en laine, c'est de moi. Et puis les autres, cette maison, que je montre avec le pointeur rond, celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci, et celle-ci, et celle-là sont de LT. J'arrive. Tant mieux. Là maintenant je te vois. Ouais, moi aussi. Apparemment, bon, le bug a changé, puisqu'avant c'est toi qui ne voyais pas et moi je te voyais. Là, c'est quand il y en a qui se voit pas, l'autre se voit pas non plus. C'est un problème au niveau des chargements d'une chunk multijoueur, ça cause des crashs d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui a été corrigé dans la Fable 10. Il corrige énormément de bugs. Hein. La liste des ajouts, elle est 3-4 lignes, mais il y a au moins 20 lignes de bugs corrigés. C'est phénoménal.
Donc, présente tes maisons un peu. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Alors, donc là. J'ai montré les maisons écologiques, hein, donc. Donc là, j'ai une petite gueule. Alors, vous voyez une maison en sable rouge, une maison en bois, tout au fond à gauche. Alors, j'ai voulu faire des maisons assez simples parce que moi, je suis pas un expert en construction de baraques. Donc, j'ai voulu faire, voilà, déjà avec des meubles, mais des maisons. Ouais, c'est vrai que t'es, mais j'ai oublié de préciser, je peux pas montrer, elles sont toutes meublées. Contrairement aux miennes que je meuble bien rarement. Donc voilà, donc c'est contrairement c'est à moi. C'est un futur projet, voilà, faire une maison résidentielle 100% maison écolo. Donc j'ai envie de dire, on se complète. Moi je suis bien. Enfin, j'ai pas forcément des idées originales, parce que je pompe souvent mes idées, hein, ça je les avoue, ça je les pompe souvent. Mais bon, j'ai souvent des idées. Je pense pas qu'elle soit originale cette idée, mais je l'avais jamais vue. Perso, j'ai une idée de faire une maison comme ça. Je vous montre le toit, vous voyez. Comme ceci. Alors, si quelqu'un a déjà vu une maison comme ça dans Minecraft ou en vrai, qu'il me le dise. Hein. Parce que moi, j'ai jamais vu un projet comme ça, perso. Ça, j'ai déjà vu quelque part. Et ça, c'est une maison banale. Hein. Donc voilà. Alors les immeubles futurs, j'ai déjà dit, c'est de le core bloc, hein, que je me suis inspiré. Donc merci d'avoir montré tes maisons. Ouais, bon, j'ai fait quand j'ai pu, parce que entre les grands trucs de Gilles de Formule 1 et tout ce que j'ai à faire, moi, parce que je passe le bloc le 23 septembre. Hein, ouais, enfin les orales de rattrapage, puisqu'il y a une session peu après le bac et une session en septembre, pour ceux qui savent pas, notamment une session en septembre qui est utile pour ceux qui partent en vacances ou d'autres occasions, par exemple des personnes qui peuvent pas se libérer ou des fois s'il y a trop de monde ou tout ça quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est fait pour plein d'occasions. Il y a eu un bordel quoi, voilà, c'est pas à peine raconté. Il y a eu pas une erreur judiciaire, il y a juste un problème. Et exceptionnellement, ils ont dit que tu pouvais le repasser en septembre. C'est tout, c'est pas la peine de raconter notre vie privée. Hein. C'est... Ouais. Enfin, après, ceux qui nous connaissent IRL, ils le savent déjà, donc c'est pas la peine d'expliquer en vidéo. Putain d'administration française, c'est ça. Voilà, donc c'est un petit bordel, quoi. Il y a eu un petit bordel, parce que t'as eu les résultats du bac et surtout t'as passé le rattrapage le lendemain. Donc, ouais, je n'ai même pas une demi-journée pour réviser. Tout ce qui devait être organisé en conséquence, parce qu'il y avait une organisation particulière qui attend tout ça pour ceux qui connaissent, ça n'a pas été fait, et du coup, ben voilà. Il y a eu un recours, et voilà. Putain, 2 semaines, hein, vraiment de la peignasse, hein. Et comme vous savez, la rentrée approche, il se peut que la semaine de rentrée, vous n'ayez pas de The City. C'est possible, je pense que vous aurez un épisode comme un épisode par semaine, hein, j'ai décidé, parce que. Même si des fois je pourrais en faire 2 épisodes par semaine facilement, je préfère en faire qu'un pour des raisons de régularité. Voilà, donc au moins je suis sûr de vous proposer du contenu et de pouvoir le tourner, mais il se peut que la semaine de rentrée j'en tourne pas, donc je vous l'informe tout de suite. Voilà. Donc au moins je vous informe que le prochain Gold Adventure c'est pas avant le 27 septembre. Voilà, donc on en profite. Et on va se quitter là-dessus et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, ciao! Tu vois, avec les bugs et tout, ça a duré 8 minutes 30 la vidéo. Et attends, merde, ça s'est pas arrêté en fait. Pourquoi il s'est pas stoppé? Minecraft il bouffe tout quoi? Ça s'est pas stoppé. Okay. Ouais, j'ai appuyé sur un outil, attends, j'ai verrouillé.